l'adère avant la quille pour les Raphaëlois et les Nîmois. Un match singulier ici au Parnasse pour cette ultime sortie de l'année civile 2021. Une année civile marquée évidemment par le Covid, mais pas simplement pour des Nîmois décimés comme jamais avant d'affronter Saint-Raphaël. Une place peut-être pour l'Europe au bout de ce match. En tout cas, une tendance pour le vainqueur se dessinera clairement. C'est bien joué, c'est ce renversement de passe de Dani Sarmiento pour Xavier Barraché qui était resté sur un poste pivot. Oui, premier mouvement très clair, hein. Vraiment très bien posé, très bien élaboré. 7 mètres pour certainement une défense en zone. Kobe, on voit beaucoup de 3 croisés consécutifs et surtout le ballon qui a navigué, qui a été lâché très rapidement de mains en main. Et le premier duel, Alexandre Demaille face à Mohamed Sanad. Des duels comme cela, on pourrait les retrouver la saison prochaine. Peut-être. Peut-être. C'est ce qui bruisse. Allez, à l'entraînement. Plutôt l'entraînement que ça. Gaïdouchenko, Sarmiento, Barraché, la base arrière. Exuma, quoi qu'il arrive, est en fin de contrat et a dit à son club qu'il ne prolongera pas. Ça, c'est une information à destination bien lancée. Super. Bien lancée, Gaïdouchenko, avec une équipe nîmoise, une défense nîmoise qui n'est pas sortie du tout. Et pour ceux qui se posaient la question, Benjamin Gallego est bien à sa place, mais alors, vous l'avez peut-être vu traverser le terrain lors du repli défensif, il est vraiment sur une jambe. C'est ce que nous avait dit Rémi Desbonnets, qu'on salue, qui est tranquillement au chaud, et qui se porte le mieux possible, Rémi, et qu'on espère retrouver rapidement pour le stage de l'équipe de France. Il va le lendemain de Noël, c'est le 26-27. Il va falloir sortir. Il va falloir être beaucoup plus agressif et offensif que ça en défense. Et surtout face à un Gaïdouchenko très incisif, on le sent en début de rencontre. Oui, Rémi Desbonnets nous disait, ça fait déjà plusieurs semaines que Benjamin est sur une jambe. Et c'est encore plus le cas depuis cet incident lors du football, du foot hier, où sur un tacle glissé, il s'est blessé et le genou a été bloqué après avoir essayé de trouver des sensations en faisant du vélo. Gallego, Lustobi, la bonne défense des Raphaëlois. La manière dont Benjamin Gallego court, je ne vois pas cette passe avec Adi Dipanda qui lui est passé à travers, ce sera un 7 mètres. Il y a encore une défense en zone, voilà ce qui indique. Celle-ci m'a échappé hein, parce que Raphaël Cocheteau semblait à la lutte. On va le revoir. Alors la lutte est claire. Non, mais alors là, il faut m'expliquer. Pas du tout en zone. Alors à la fin, oui, effectivement, il y a le bout du pied, mais le ballon, ça avait déjà été sifflé. Ouais, superbe fin. Et déjà deuxième but de Sanad, sur jet de 7 mètres. Sous les yeux de François Garcia, le patron des arbitres ce soir. Gaïdouchenko, pour le moment très en vue, ça passe un peu haute, la sortie de Lustobi. Sarmiento face à Tom Poyer. Belle agressivité de Quentin Dupuis. Première sortie autoritaire. Patron de la défense nîmoise. Oui, pareil, hein, avec les absences, forcément, il faut aussi recomposer ça. Lustobi et Quentin Dupuis dans le bloc central. Gaïdouchenko, la course sur grand espace, renversement, ça fonctionne bien. Belle défense, la feinte, Vigneron, très très bonne séquence de la part des Nîmois avec Gallego, Dupuis, Toby, les valeureux, Barraché. Oh, il est passé. Bien joué. Oui, bravo, très beau mouvement à l'arrêt, le changement de rythme de Xavier Barraché avec le passage de bras. Regardez, il arrive tout doucement, le dribble est posé, ouais, c'est bien fait. Hein. Mais encore une fois, on a vu la grimace, et on a vu surtout une jambe gauche qui ne peut pas bouger. Normalement. Raphaël Cocheteux qui espère sans doute pour la dernière sortie de l'année retrouver de sa superbe. Il le dit, hein, il l'a reconnu, Raphaël. Il est beaucoup plus en difficulté. La preuve avec ce premier arrêt sur 7 mètres de Théodore Paul. Il est très loin, Raphaël Cocheteux, de son efficacité habituelle.
lecture, hein, tout en lecture, Théodore Paul. Mais ça manquait de vitesse hein, dans le tir de Raphaël. En fait, j'ai à mi-hauteur. Vous en avez eu trois. Combien de joueurs a-t-on vu qui, lorsqu'ils sont devenus, ouais, bel arrêt d'Alexandre Demay, devenu papa, oui, ont eu des problématiques diverses et variées. Oh ! Nouvelle parade en étoile ! Théodore Paul ! Ah, il va falloir de toute façon un grand Théodore Paul pour que Nîmes reste dans la partie le plus longtemps possible. Et lancé, enfin Théodore Paul lancé, parce que sur les trois premiers buts raphaëlois, il n'y pouvait pas grand chose. Des tirs de loin de Gaïdouchenko et un tir à 6 mètres de Xavier Barraché. Et cette fois deux arrêts consécutifs sur 7 mètres et à 6 mètres. Ça va mettre en rythme. Ballon gratté. Théodore Paul peut-être une troisième fois. Xavier Barraché sans problème. Le premier break dans cette partie. Oui, je parlais du cas Raphaël Cocheteux. Très bon début de match, vous avez arraché au passage. Oui, il y en a beaucoup, ça arrive très souvent qu'un joueur qui connaît un très très heureux événement chez lui, avec l'arrivée d'une autre personne, une troisième, quatrième, cinquième, sixième personne, comme vous voulez. Effectivement, alors ça joue sur la maman avant tout. Hein. Ah bah oui, ça joue bien. Mais la maman ne joue pas. Non, elle ne joue pas, a priori. Enfin, il y en a qui jouent aussi. Ouais, pas tout de suite. Mohamed Salah. Oui, gros arrêt aussi. Arrive. Alexandre Demay qui a tanké le ballon tout là-haut sur le toit du Parnasse avec cette énorme parade, le premier échec de la part de Mohamed Sanad. Je vous laisse terminer. Ben pour une bonne et simple raison, c'est que le rythme change également dans la vie quotidienne pour les parents. Et alors attention, il y a des joueurs qui ont trouvé des solutions, hein, c'est d'aller dormir ailleurs, dans une autre pièce, etc. Et là, on n'en est pas là pour Raphaël Cocheteux. Et souvent, il arrive que le rythme changeant, la fatigue s'accumulant, il y a toujours ce risque de fatigue. Moi, ça a été 3 sur 3. Hein, je vous dis, moi, j'ai eu 100% de réussite. À chaque fois, des blessures quand même importantes. Non, mais c'est ça qui est souvent des blessures avec un manque de vigilance qui est dû à la fatigue. Ou alors des blessures musculaires, parce que on va dire la vérité, hein, bah vous prenez 5 minutes en moins, vous l'êtes un peu plus rapidement à la maison et vous faites un petit peu moins d'étirements. C'est tout bête, hein, mais c'est la vie quotidienne des sportifs également. Il est passé, Gaïdouchenko, la remise, bonne défense. Et la récupération, le jeu rapide, Mohamed Sanad, Tom Poyet peut-être. Ah, bah, superbe bloc de Tom Poyet. On va peut-être le revoir avec Serge Bergui. Il a ouvert hein, clairement la mer rouge. Pour l'Égyptien, c'est un peu normal. Regardez Tom Poyet. Hop, et bim ! Il empêche complètement Gaïdouchenko d'intervenir. Toute limite, hein. Dans le dos de... Ah non, c'est bien posé, hein. C'est bien posé, très bien posé. Par de Tom. Avec Barraché, compliqué cette passe perdu. Dans le dos. Il va être servi en passe à la Mohamed Sanad. Mohamed Sanad, l'égalisation à 4 partout. Attention, Saint-Raphaël et ses pertes de balles. Sans parler de péché mignon, mais c'est surtout de défauts récurrents pour les Raphaëlois. Attention, et l'intervention des arbitres. Monsieur Picot, je crois, est sûr de lui. Et absolument sûr de lui, c'est lui qui a arrêté le chrono, qui a appelé son collègue Rafik Edid pour donner 2 minutes d'exclusion à cet homme, Luc Toby. On va revoir tout ça parce que ça n'était pas partagé par son collègue. C'est Gaïdouchenko qui arrive à toute vitesse et là. Sur la fin, sur la toute fin, c'est-à-dire après qu'il ait joué l'intervention sur le bras, mais c'est vraiment sur la toute fin de l'action. Après qu'il l'a vu. Absolument. Les autres temps, quand j'étais à l'école, c'était après qu'il ait joué. Ah bah, il va falloir changer de prof. L'indicatif après qu'il l'a vu. Mais c'est bien, vous êtes brillant. Ah non, c'était pour vous prouver que j'étais allé à l'école. Quand même. Qui en doutait ? Mes parents. Le bras levé, malgré la supériorité numérique. Elle s'est bien lâchée, ça c'est parfait, c'est propre, c'est clair. Le tir de Raphaël Cocheteux également. Et on parlait de Raphaël Cocheteux qui a libéré son bras, qui a partagé aujourd'hui sur son compte Instagram une photo
François-Xavier. Absolument sublime. Justement, de son bébé. Vraiment un moment de douceur, de quiétude, de beauté, de grâce. C'était vraiment une magnifique photo. Sur Instagram, je vous expliquerai comment ça marche. Je n'en ai pas vu. C'est comme le Minitel, vous dites, avec des images. Le but vide. L'infériorité numérique compensée par le jeu de 6 joueurs de champ. Salou, Rémi. Pardon, Mathieu, Salou. Nibou, Salou dans la nasse. Nibou bien repoussé, bien tenu par Maresco. Avec la science évidemment de Mickaël Dou pour gagner du temps. Pour voir les secondes s'égrener avec Gallego, vous savez pourquoi je rigole. Oui, oui, pas de solution, côté gauche on va vous dire, chers téléspectateurs. Rebichon, attention, refus de jeu. Okay, oui, superbement bien glissé. Mohamed Sanad disponible. Passe au cordeau hein, devant Mohamed Sanad. Oui, il a raison, Raphaël Cocheteau, évidemment, parce que Mathieu Salou avait eu du mal à replier. Petite question, Mohamed Sanad n'aurait-il pas marqué tous les deux de Ligue 1? Oui, si, si. C'est bien ça. Si, si, c'est ça. Je ne suis même pas sûr qu'il y ait eu de tir d'un autre joueur. Ouais, peut-être, non, toujours pas. C'est assez bien, remarquable. Très bien joué, le jeu à 3. Être content depuis Mathieu Salou. Et Tom Poyer, la finition. Oh, attention, attention au coup de poing. Au coup de poing dans le visage entre Gallego et Barraché. François Xavier, on va vous remontrer ça, mais ça doit être carton rouge pour les deux joueurs. Je vous le dis, je l'ai vu, ça s'est passé sous mes yeux. Normalement, c'est carton rouge pour les deux joueurs. Xavier Barraché qui a donné un coup de poing à Benjamin Gallego et Benjamin qui lui a rendu. Regardez, c'est après. Là, boum, et derrière. Ah, c'est rien à dire. Hein. Là, et Franck Maurice, c'est foudrage. Clairement Xavier Barraché ne doit pas rester sur le terrain après avoir fait ce genre de choses. Ça a échappé à la vigilance des arbitres. Mieux vaudrait au moins dire quelque chose. Écoutez, on a parlé de... C'est un vrai sujet ça. Sincèrement, puisqu'on est dedans. Il n'est même pas sanctionné de 2 minutes. Hein. Aucun des deux. Incroyable. Aucun des deux. Et ils ne se sont pas calmés. Hein, parce qu'il y a encore l'animosité lorsque Benjamin est passé. Pardon, Xavier, juste devant Benjamin. Et attention, attention. Attention à Lutobi. Et attention, parce que c'est déjà la deuxième fois. C'est la deuxième fois. Après 11 minutes, simplement, Lutobi, l'un des tauliers ce soir. Est déjà sous la menace d'une disqualification et vous imaginez la tension qui était palpable, qui va grandir d'un cran, clairement, après ce sentiment de frustration et d'injustice. Carton jaune en plus contre le banc et contre Franck Maurice. Attention à ne pas péter un plomb. Oui, c'est pour ça qu'il fallait, d'une manière ou d'une autre se positionner par rapport à ce qu'il y avait eu. Au moins exclure les deux, au moins. Oui, ouais, histoire de calmer un petit peu tout le monde. Il y a un vrai problème pour les Nîmois hein, qui n'ont pas besoin de ça, franchement, c'est la double exclusion. Il y a une faute, là aussi, il y a une grosse faute. Hein, ouais. Attention à ne pas transformer la frustration de en tous les événements. Oui, c'est ça. Et je vous assure, cette partie va être folle. Cette partie est sous haute tension, c'est la dernière de l'année. Je vous le dis, on va avoir des cartons rouges. Je vous le dis. Écoutez, mieux vaut voir des cartons rouges que des bagarres. Tom Poyer avec Quentin Dupuis, Mickaël Guigou face à Barraché. Évidemment, hein, les Nîmois vont vouloir répondre. Les arbitres vont aussi vouloir peut-être équilibrer les choses. Dommage pour. C'est récupéré par Arthur Vignon, le plus prompt. Pour récupérer le ballon, il y a un coup à jouer. Oui, Gaïdouchenko, pas de gardien, voilà. Ça va aller a priori. Et le changement ne s'est pas effectué. La lucidité de Raphaël Cocheteau, le voilà. Merci Serge Berglier et ses équipes, merci au cadreur.
d'AMP Visual avec le patron des arbitres, François Garcia. Il va être certainement très attentif dans les prochaines minutes. Un choix difficile pour Franck Maurice. Luc Toby exclu à deux reprises. Et la preuve, voilà, qui s'apprête à rentrer, Baptiste Joblon, pour éventuellement peut-être défendre. Michael Guigou qui va tenter d'aller, permettez-moi cette expression balistique, mais d'aller faire péter la défense. Ça sera pas simple, ils sont vraiment bien en place. Raphaël Loire en 0-6, le tir de loin, c'est difficile, même pour un Mathieu Salou. On aimerait voir courir, prendre de la profondeur, quitte à tirer de 10, 11 mètres, ce n'est pas du tout un souci pour lui. Vaut mieux avoir une très bonne position à 11 mètres pour un Mathieu Salou que mettre le pied dans les 9 mètres, mais ne pas être suffisamment équilibré ou alors encore plus embêtant avec un défenseur au contact. Et c'est un garçon alors sur le poste d'arrière gauche, mais comme Thibaut Brier aussi. Oui, voilà, exactement. Ce sont des profils assez similaires. Alors avec Thibaut Brier qui possède d'autres qualités dans le jeu dans auprès, le duel, les duels, oui, et oui, voilà. Que Mathieu Salou est un vrai tireur de loin, comme oui, c'est Holger Lander, quoi. Oui, voire même Volker Zerbe aussi. Ah, oui, bah voilà, Zerbe, si vous voulez. Et l'arrêt. Oh, énorme. Gaïdouchenko, le volleyeur. Et comment? Oh, la pelote basque, regardez-moi ce geste et cette inspiration. Rien à dire, hein. Mais non, il n'est pas en zone rien, mais ce qui est étonnant, c'est que personne ne soit à la lutte du côté de moi pour empêcher Badim. Alors, on vous rappelle, et évidemment, on salue notre ami à la perche qui ne va prendre aucun risque en raison de la situation sanitaire également. Vous n'entendrez pas les temps morts. Le premier constat qu'on peut faire, François-Xavier, c'est que logiquement, Nîmes est dans la tourmente. Et qu'il y a un fait de jeu qui change aussi pas mal les choses. Oui, le début de match a été plutôt bien contrôlé par les joueurs de Franck Maurice, même si on a vu des Raphaëlois concentrés dès les premières possessions. Et puis il y a eu ce moment un petit peu, enfin même très délicat, entre Gallego et Barraché, avec des coups de poing sans élan au contact, mais malgré tout des points au visage des deux côtés. Les deux côtés sur un engagement rapide. Le président Lussam au téléphone avec qui? On ne sait pas, a priori, on n'a pas vu Franck Maurice avec un téléphone, donc ce n'était pas avec son entraîneur. Et depuis, Saint-Raphaël est resté bien concentré dans sa partie, a pris ses 3 buts d'avance. C'est très tôt encore dans la partie. La problématique dont vous parlez, que vous supputez, c'est évidemment les 2 fois 2 minutes pour Luc Toby. Malgré tout, de retour sur le terrain. Et le jeu à 7 avec Baptiste Joblon et Tom Poyer pour évidemment trouver des solutions. Et attention surtout à ne pas perdre la balle, sous peine d'être puni. Luc Toby, on le disait, sous la menace, le bloc de Tom Poyer, la passe jusqu'à Mohamed Sanad. Impeccable, le changement de l'autre côté. Ça vous rappelle quelque chose, lorsque vous êtes mené de 3 buts et que vous évoluez en supériorité numérique. Paris hier, Paris contre Barcelone, Paris souvent qui utilise ce moyen et qu'il l'utilise très bien. Le tir complètement raté d'Adrien Dutourna très rapidement. Ça ressemble un peu à celui d'un autre arrière droit hier soir. Plutôt vous parlez de ce match. Qui est macédonien. En fin de match. Et Kirill Lazarov. On retrouvera évidemment samedi contre Montpellier en demi-finale de la Coupe de la Ligue. Ça, ce sera une superbe affiche. Guigou, oui, manque de réussite pour Joblon, ce tir rapidement pris sous la barre transversale. Si il voulait faire passer des frissons à ses partenaires, c'était compliqué de faire plus compliqué. Oui, et c'est un peu ça. En plus, il peut gagner quelque chose. Là, le panier garni. En touchant la barre. Oui. Joe Maresco. Gallego, toujours aussi malheureux, il est sur une jambe, Guigou, Toby. Le jeu, c'est évidemment, il y a trois pivots. Et la défense en zone, non. Maresco qui a refermé juste avant, qui a fait l'effort. C'est Adrien Dipanda. Non. Il n'y a pas de défense en zone. Bien retenu, Adrien, avec...
son ex-partenaire de l'équipe de France. Trois pivots, c'est quand même particulier. Ouais, hein. Très très belle défense, hein, vraiment. Retour intérieur, c'est tenu par Arthur Vigneron. Superbe séquence défensive. Le bras va rester levé. Il reste deux passes. Deux passes François-Xavier. Après celle-ci, la voilà la première. Le ballon perdu. Dans les faits, Benjamin Gallego. Et étonnamment, les Nîmois ont été en grande difficulté, en supériorité numérique, sur l'utilisation du jeu à 7 contre 6. Oui, mais trois pivots. Hein. Deux arrières, trois pivots, c'est rare. Hein. C'est très rare de voir ça. Alors, effectivement, vu la composition de l'équipe nîmoise, pourquoi pas, sauf qu'avec trois pivots, vous... Identifiez. Bien sûr, évidemment. Et, étant donné que pour l'instant, les arrières nîmois n'ont pas montré qu'ils étaient capables de passer au-dessus, à juste titre, les Raphaëlois ne sortent pas, ce qui fait qu'il n'y a pratiquement aucun espace. Le ballon qui n'est pas intercepté, et derrière Gaïdouchenko qui envoie une bougie largement au-dessus. Toby sur le jeu rapide, Joblon. 59 mètres avec Adrien Zepora qui est très très costaud défensivement. Il s'est trompé tout à l'heure en attaque, mais alors en défense, il réalise le même genre de prestation que lors de la deuxième période. Souvenez-vous, face à Aix-en-Provence. Je ne suis pas certain que ce soit une bonne solution, le jeu auprès François-Xavier des Nîmois. Oui, mais malheureusement, encore une fois, j'insiste, c'est très rare. C'est très rare. C'est l'une des, je vous le dis sincèrement, une des premières fois que je vois comme ça trois pivots d'entrée. Regardez, rien qu'au niveau optique, il n'y a pas d'espace, du tout. Bon, ça, enfin, voilà, c'est bien fait. Il y aura la zone pour Luc Toby, me semble-t-il. Et deuxième tentative vaine sur l'utilisation. À 7 contre 6. Et les Nîmois ne marquent plus, tout simplement. Et le seul, finalement, le seul à trouver des solutions, c'est Mohamed Sanad. Imaginez-vous, incroyable ce différentiel et cette répartition des buteurs. Gaïdouchenko, Sarmiento, Barraché, la course latérale, trop latérale sans doute de la part de l'Espagnol. Barraché, le duel à jouer avec Bouillet. Oh là là, quel talent. Un petit tir par en dessous, les deux, les appuis parallèles pour Dani Sarmiento. C'est un classique, un petit coup de poignet pour croiser son tir. Pour ceux qui ont des douleurs au genou, n'essayez pas ce genre de tir. C'est une laxité au niveau des appuis. On avait totalement démotivé. Jonathan Mapou s'apprête à entrer en jeu, ça c'est bien décalé et c'est arrêté surtout par Alexandre Demaille qui lui est à la hauteur hein, de ce début de rencontre, oui. Et très précieux avec une défense qui n'a absolument rien à voir avec celle de la première période et ce cauchemar vécu face à Aix-en-Provence. L'adversité n'est pas tout à fait la même non plus. Et en face, surtout, ça rappelle, marque 11 buts déjà après 20 minutes. Les hautes. C'est difficile. Il est passé. Bravo de la part d'Arthur Vignon. Bravo. Intelligent. Hein. Ouais, c'est bien. C'est bien. Trop, c'est même trop rare, finalement, qu'un ailier comme ça tente sa chance dans le duel. Dans un premier temps, il essaie. L'angle est trop fermé. Il voit qu'il y a un intervalle entre 1 et 2. Et va jouer le duel face à Quentin Dupuis qui a commis l'erreur de se tourner et presque d'arrêter son action. La machine de Révi Pachal en seconde période face à Aix-en-Provence et face à Romero qui a repoussé tous les assauts des Raphaëlois en première. Et bien, dès le début, Théodore Paul, heureusement que Théodore Paul lui aussi est brillant parce que l'écart pourrait être encore plus important. Deuxième arrêt 100% de réussite pour Théodore Paul à 7 mètres. Hein, face à Raphaël Cocheteux. Un instant face à Révi Pachal qui également avait manqué hein, sa première tentative à Paris face à Vincent Gérard. Doudou. On a la masse. Ça va faire du bien cette solution sur l'intervalle externe de la part de Luc Toby et cette générosité. Toujours, oh la puissance de feu d'Adrien Dipanda sur jeu rapide. Voilà Adrien Dipanda comme on aime le voir. Oui. Voilà, faire le but. Copyright. De la conviction avec un tir franc. Le ballon qui part fort de la main d'Adrien. Part tout droit sous la barre. On voit le jeu vers l'extérieur qu'affectionne Luc Toby avec de la réussite cette fois. L'écart qui s'est stabilisé hein, en faveur des Raphaëlois.
Chimico qui fait son entrée dans la rotation raphaëloise. Ça s'est bien trouvé externe avec Joblon. Joblon quand non. Pas sur cette première séquence. Chimico qui va rester en attaque. Et qui va devoir, hein. C'est peut-être pour lui aussi ce match. Il a un vrai duel à jouer face à Joblon. Oh là là, Sarmiento. Sarmiento avec... dans ses heures, mon Dieu. C'est un poyer, hein, me semble-t-il. Il est parti totalement. Toby, il n'y a pas de changement possible. C'est étonnant. C'est un temps depuis qu'il ne savait pas trop se situer sur cette action. Il marque beaucoup, hein, les Raphaëlois. Beaucoup, trop certainement au goût de Franck Maurice. Alors que faire, c'est une défense quand même relativement passive, plate. Oh, superbe. Et les ailiers, heureusement, en réussite. Sarmiento, Dipanda et donc Mapou désormais. On aime bien parce que des supporters nîmois qui vivent vraiment, hein, passionnément le match et qui donnent leur avis. Ah oui, et puis pas très loin de nous, quoi, hein, voilà, vraiment juste à côté. Alors beaucoup sans masque, hein, ça c'est plus dérangeant. Oui. Mais beaucoup, hein, beaucoup, oui. Beaucoup trop. Mais... Oui. Attention, blessure pour Benjamin Gallego. Touché au doigt. Ah non, c'est un maillot déchiré. Ça va, si c'est que ça. Oui. Voilà, plus tard. Chimico qui n'y va pas. Ouais, et bien Adrien Dipanda, c'est retour vers le futur. Encore une fois, la défense nîmoise est bien trop passive. Regardez le pied dans les 9 mètres. Enfin, il y a 8 mètres, pas du tout touché, pas gêné dans sa course. C'est pas suffisant. Preuve en est, hein, 14 buts. Bien sûr. La 24e minute. Il se ravise, Lutfobi. Passe, décidément, ouais. Michael Guigou, l'homme à tout faire ou presque de ce début de rencontre. Michael Guigou, vous savez que dans ce genre de situation, le jeu à 7 contre 6 avec 2 pivots, voire 3, il peut rejouer encore 15 ans, hein, Michael Guigou. Parce que ça, il le fera toute sa vie et il le fera toujours aussi bien. Ouais, écoutez, là ça commence à être. Très sérieux pour Adrien Dipanda qui a pris la DeLorean et qui a retrouvé son niveau d'antan en étant absolument remarquable. Regardez ce geste, cette puissance, cette précision. Ça part très, très bien de la main, c'est franc. Si Chimico a cimé aussi. Oui, ah imaginez, oui. Imaginez ça... parce que c'est ce qui lui manque, hein, depuis des années. Il faut bien dire les choses. Guigou, c'était compliqué cette passe pour Mohamed Sanad. Bras levé, Quentin Dupuis. Attention au nombre de passes. Et on est quasiment sur la dernière. L'intervention, l'arrêt d'Alexandre Demaille. Le bras va évidemment se baisser. Et donc les Nîmois vont pouvoir retravailler. Dupuis, Toby, Guigou, la fixation avec le Schwenker, pas de solution. Oh là là, ça n'est pas un cadeau, hein, ça. Hein. Ah non, comme vous dites, la preuve en est. L'arrêt de Maille avec Sénat qui devait aller tirer dans un angle impossible. Beaucoup de sérénité, François Xavier, de la part des Raphaëlois. Eh oui, le rythme est géré. Lorsqu'ils ont eu la possibilité de prendre un petit peu d'avance, ils l'ont fait. Depuis, c'est bien, avec beaucoup de réussite en attaque. Le jeu est développé, il est très cohérent.
entre le jeu au près parfois et puis surtout beaucoup beaucoup de bonnes transmissions. On l'a vu, vous l'avez signalé dès la première attaque, avec des ballons lâchés, des courses sans ballon. Le temps mort, le temps mort. Seul Chimicou pour le moment n'est pas encore. C'est comme une voiture, hein, rodée. Voilà, il est en rodage. Avec le temps mort posé par Danraïs Fortuné à nous. Et hashtag en action, hein. Je vais regarder les premiers messages que vous nous envoyez. Si vous êtes devant Bin avec Lenny Moi et leur ambition de réussir quelque chose de grand privé, de nombreux joueurs. L'USAM a fait ce qu'il fallait après 30 minutes. Les Raphaëlois doivent sans doute prendre encore plus leurs aises pour ne pas trembler en fin de match. Mais Campoyer, oui. Le passage en zone de Timmy Petit. Lorsqu'il est au contact, Timmy Petit, aujourd'hui, on l'a vu à deux reprises, hein, face à Mickaël Guigou et cette fois face à Tom Poyer. C'est presque de la lutte, hein, oui, ce qu'il réalise. C'est un joueur costaud qui a beaucoup, beaucoup progressé, on l'a souvent dit. Demain, qui est passé tout près tout à l'heure face à Sanad, mais l'Égyptien qui permet aux siens de revenir à une longueur. Tout est à refaire pour les Raphaëlois. Encore un peu plus de 20 secondes en infériorité numérique. En l'occurrence, sans gardien de but sur cette attaque. Et Lukchenko, comme au départ de la rencontre, très bon d'ailleurs dans cet exercice sur les 10 premières minutes. On va arracher, stopper. On n'a pas beaucoup vu les pivots avec Maresco à la lutte. Non, c'est vrai, c'est Sarmiento avec un problème de fermeture là-bas. Guéric Vincent. Avec Vincent, en ordre. Salou Mathieu qui revient sur le terrain. Guigou, Mickaël, à la même. Avec Salou, la belle lecture, facile, pas assez puissant. Là encore, écoutez, c'est un jeune garçon, hein, Mathieu Salou. Mais il faut qu'il il passe, on ne voit pas en bas de votre écran, Franck Maurice qui allait certainement lui dire ça. Mais il ne fait pas mal. Mais il y a contact. Pourquoi aller jusqu'au contact? Encore une fois, faites en fonction des moyens que vous avez. Mathieu Salou peut tirer de 11 mètres, mais sans difficulté contre n'importe quel gardien du monde. C'est pas la question. Il vaut mieux qu'il court sur le ballon et qu'il tire de très loin plutôt qu'il soit au contact, le tir à côté. Oui, largement, hein, presque à 1 mètre à côté. Xavier Barraché. Ça fait plusieurs séquences, hein, que les Raphaëlois manquent de discernement et de précision, sans forcément tomber sur un Théodore Paul des grands soirs. Mais attention à ne pas le regretter. Surtout, on insiste. Dupuis, ouais, avec Alexandre Demery. Dupuis qui Et une solution pour les Raphaëlois, parce que Dupuis n'est pas revenu. Clairement, bien joué, Adrien Dipanda. Et au-delà de son échec justement tout à l'heure, hein, ce tir vraiment complètement raté, pas grand chose à jeter dans le jeu. Regardez ça, incroyable, c'est presque une équipe au complet. Jacques Cuvillo, Brian Miateux, Henrik Jacobsen, Quentin Minel et un préparateur physique. Ah oui, ben là pour le coup, il y a toujours les mêmes interrogations avec autant de blessés. Oh, quel passe-re, marquable, Mickaël Guigou. Pour Tom Poyer. Matsana qui est passé un petit peu à travers. Il y a faute. Non. Il y a eu contact. Ça semblait être le cas. Hein. Et il y a eu Pachal. Oui, mais il est bien en place, il ne bouge plus. Oui, il arrive à stopper sa course. C'est plus un Mickaël Guigou auprès de Davy Pachal. Il y a Douchenko sur un poste de demi-centre sur le départ de l'enclenchement avec Pachal justement en mouvement en deuxième pivot. Notre point de fixation. Mickaël Guigou qui s'impose physiquement. Mais
est brûlant, Michael Pinault, ce soir. De toute façon, on s'en est rendu compte avec un ordonnateur du jeu en chef. Ah oui, oui. Avec des passes absolument sublimes. Superbe impulsion de Gaïdouchenko. Mais le réflexe de Théodore Paul. Messieurs. Oui, il a été contré, hein, il a été touché par Luc Toby. Alors que sincèrement, hein, vous avez trouvé que j'en parle beaucoup, mais je pense que le public n'a pas compris le principe du masque. Vraiment. C'est très gênant, hein, je vous le dis. C'est le troisième échec de Mathieu Salou qui avait trouvé l'intervalle externe. Nîmes a besoin, Luc Toby en particulier a besoin d'un relais. Grosse, ce sera cette grosse fermeture de Mohamed Sanad en zone. Allez, attention, parce qu'il a pris cher, hein, l'Égyptien. Voilà, il vient de couper. L'énorme faute. Énorme faute de Mohamed Sanad qui est boitillant désormais, qui serre les dents. On est très inquiet, François Xavier, pour Mohamed Sanad. Ouais, ça va pas. C'est un coup, c'est ce qu'il indique, mais c'est un coup qui a l'air de faire très mal malgré tout. Sur la malléole, Sarmiento. C'est finalement le premier, hein, à marquer sur cette mètre. Oui, t'as fait après deux échecs, en tout cas deux arrêts de Paul. On le voit passer boitillant, Mohamed Sanad. Merci, ouais, Serge Bergli, et merci au cadreur. Ça va aller, c'est un coup. C'est vraiment la chance, François-Xavier, d'un garçon comme Mathieu Salou, hein, qui doit la prendre et qui, pour l'instant, hein, alors, auprès, non, ça ne fonctionnera pas. Guigou, toute la soirée. Oh, dommage. Oh, dans la lutte pour prendre le ballon. Attention, parce que Tom Poyet est encore resté à parlementer et Franck Maurice n'y croit pas. N'en croit pas ses yeux, le public non plus. On va revoir ça. On avait l'impression que c'était vraiment la lutte sur le ballon et non pas sur le bras. Oui, bien sûr. Et Rafik Hedid a rendu le ballon. On voit ça. Alors déjà. C'est le ballon. C'est le ballon. Oui, c'est pour prendre le ballon. Bien sûr. C'est pas récompensé, hein, parce que vraiment il fait l'effort face à Adrien Iponda qui est quand même l'un des plus costauds. Ballon récupéré avec le relais, ça va mieux pour Mohamed Sanad. Qui marque de la main droite, il lâche le ballon avec la main droite. La machine peut marquer également la main droite. Regardez ça au contact, Gaïdouchenko qui est fort. Là, elle est pour Alexandre Demaille. Un petit peu, oui. Il subit complètement le tir parce que le retour était plutôt bon de la part de Gaïdouchenko. Et voilà, les Nîmois, l'air de rien, à nouveau revenu à deux longueurs. Saint-Raphaël est incapable de s'envoler. Gaïdouchenko. Sarmiento, la bonne sortie de Gallego, Barraché dans le trafic. Le retour, la deuxième confrontation entre les deux hommes avec Gallego qui va évidemment tenter de faire craquer Xavier Barraché. Beaucoup de maîtrise, hein, de la part des deux garçons. Parce que, regardez, hein, il revient Benjamin Gallego, il y a le bras très haut, il y a la main. Et boum, et derrière, il est quand même passé entre les gouttes, hein, je vous le dis. Cette fois, Sarmiento, il est au vrai duel, il est là. Il est arrêté, Xavier Barraché, le bras va se lever. Sarmiento dans le trafic. C'est poussif du côté de Saint-Raphaël, mais c'est surtout très. C'est monté le niveau d'agressivité défensive, hein, pour les Nîmois, dans tout ce qui est contact avec les pivots notamment. Vous avez raison, on ne les voit pas. Maresco, Mapou, invisible. Et c'est l'une des forces de Saint-Raphaël. Ça a été le cas en début de saison lorsque Saint-Raphaël a empilé les succès. La relation base arrière pivot était une filière essentielle avec le Schwenker, Gaïdouchenko, le refus de jeu peut-être. Et l'arrêt de Théodore Paul. Attention, c'est récupéré. Et le ballon qui sera rendu à Saint-Raphaël. Et le bras, évidemment, va se baisser. Mohamed Sanad le pris en zone sur la récupération.
Oui, oui, la faute. L'Égyptien. C'est frustrant. Ouais. Mais pour reprendre votre propos, c'est poussif, hein. Bien sûr. Et Toby Dupuis, le travail de l'ombre de ces deux garçons. Avec le ballon rendu. Avec Sanad. La mobilette. Mohamed Sanad qui tombe sur Alexandre Demaille. Quel arrêt à nouveau. Mohamed Sanad est meilleur de la main droite. C'était le cas sur l'action précédente. Tir très franc, mais cette fois Demaille choisit la bonne option. Vous avez eu son petit pas de décalage pour ouvrir ce côté gauche et mieux fermer avec la jambe. Très bien tactiquement réalisé. Techniquement, pardon. Moi qui garde la possession du ballon, évidemment, la possibilité de revenir à un but. Surtout, ça coince de prendre Mathieu Salou. C'est Mathieu Salou responsable là-dessus. C'est dingue. Hein. Combien de buts pour Mathieu Salou? 0-0. Combien d'opportunités? 0-0. Mais regardez, qu'est-ce que fait ce garçon dans les 9 mètres comme ça? Dommage, une belle opportunité pour les Nîmois qui vont devoir remettre des forces pour revenir. Vous avez l'occasion de revenir à un but. Et Gallego de retour. Incroyable. Quel guerrier celui-là. Il ne va pas, il refuse l'obstacle. Incrédule le public du Parnasse qui n'y croit pas. La bonne défense. Là, on sent hein, alors pas de la peur, mais il est emprunté, hein, Mathieu Salou. Il s'est pas mis en confiance. Il s'est pas mis du tout en confiance, hein, d'où l'importance. Il n'est pas verni. Hein. Il n'est pas verni parce que le seul qui l'envoie bien hors secteur. Lui est refusé, le bras du coup va rester levé et ça ne va pas faire les affaires des Nîmois. Attention, refus de jeu, Mathieu Salou. Et le refus de jeu. Là c'est terrible. Hein. Là c'est très cruel. Et la contre-attaque. Oh, Drevi Pachal. Oh, exceptionnel. Pour aller déposer ce ballon. Ce petit chab caressé par Drevi Pachal. Et le temps mort. Et attention avec le staff Nîmois. Yann Balmossière qui demande à tout le monde. De revenir et attention parce que le vent a déjà un carton jaune hein, François-Xavier. Oui. Yann Balmossière qui est fou de rage vraiment. On va dire qu'ils ont été malheureux, même très malheureux les Nîmois avec une accumulation de circonstances défavorables. Je vais pas y aller mais je vais quand même y aller, clairement pas aidé par l'arbitre. Vous y êtes allé, vous aviez prévenu ça compte. Non mais bon, vous me suivez, non, malheureux, sincèrement, à chaque fois malheureux, vous savez, le coup de sifflet, ça joue à quoi? Un dixième de seconde au moment où il prend la décision de siffler avec Mathieu Salou, dans une position pas franchement favorable, marque enfin, sous les yeux, patron des arbitres français, François Garcia, en observateur. Avec à nouveau François Xavier, l'option prise après ce temps mort, comme en première période, vraiment, par Franck Maurice. 7 joueurs contre 6. Ça n'a pas forcément été couronné de réussite. Sur la fin, avec Luc Toby, justement, le retour. Luc Toby qui est indispensable à cette équipe, malheureusement, dont le relais n'a pas été pris à hauteur des espérances par Mathieu Salou, perte de balle. Pour Luc Toby, dans la recherche de Joblon, il n'y a pas de gardien. Chimico qui a failli marcher. Vous rappelez cette séquence, le ballon pour revenir à un but. Bien sûr, évidemment, bien sûr. Avec Salou. Mais regardez, on en est à moins 5. Et ça, c'est quoi? En moins de 4 minutes ça, c'est ça. Gallego. Avec le bon monde appui. Ouais, c'est bien accéléré, non? Un simple 9 mètres. Vigneron sans doute aurait espéré récupérer le ballon. Oui, parce qu'il semble bien que c'est Michael Guigou qui a perdu tout seul en mêlant les pinceaux. Il va buter sur Benjamin Gallego. Rien du tout là, pour le coup. Et c'est des Raphaëlois peuvent se sentir frustrés.
ça c'était flagrant. Belle défense de Benjamin Gallego sur Mickaël Guillou. Il retourne. Ah bien, à l'extérieur, ça a très bien marché. Oh, dommage que Luc Colu n'ait pas pu trouver Joblon à l'intérieur. Je vais arracher en dissuasion. Guigou, Geoffrey, passe à droite, à gauche, non. Un ballon au pied, hein, pas un pied au ballon, sinon le Raphaël Wau aurait été exclu pour deux minutes. Comme fou. Rien, ce sera pour, personne. Attention à ces instants délicats. Si Saint-Raphaël garde la lucidité, réussit à prendre du temps sur les attaques et à mener au bout sur les intentions offensives, Saint-Raphaël se rapprochera inexorablement de la vérité. Sarmiento avec Chimicou en mouvement. Chimicou, voilà. Le voilà, le Chimicou qu'on connaît. Catch and shoot, de la puissance, de l'engagement. Voilà, personne ne monte ça. Regardez la vitesse même au ralenti avec laquelle ça part de son bras armé. Et pourtant, il est positionné pas au mieux, en tout cas pas pour développer au maximum la puissance dont il dispose. C'est dans son style à lui hein, depuis plusieurs années. Très droit par rapport au but, sans céder d'une rotation quelconque. Compliqué pour Luc Colu sur l'extérieur. Mohamed Sanad qui a tenté de glisser dans la défense. Alors, ça s'est fermé, bras levé. C'est bien ce que font les Raphaëlois défensivement avec le patron Adrien Dipanda qui réalise un super boulot. Mais tout comme Xavier Barraché, on est habitué à ça. Comme Arthur Vigneron, attentif. Il faut tirer. La tentative, c'est récupéré par le premier. Là, c'est au forceps. Mais il faut au moins ça. Pour les Nîmois. Ça stoppe la série des Raphaëlois. Oui, marché. Cette fois, c'est sanctionné. Allez, avec Eric Vincent, avec Mohamed Sanad, le duel à jouer, c'est bien fermé. Très bien défendu. Très bien défendu. Salué par le banc. Et notre ami, vous savez, celui qu'on a montré la dernière fois, juste à côté de nous, qui est un hooligan, mais qu'on aime beaucoup, parce qu'il nous a parlé, figurez-vous. Voilà, les téléspectateurs ont écrit à sa fille pour dire qu'on avait parlé de lui, mais en bien parce qu'on l'adore, hein. Oui, on le kiffe. Oui, bien sûr. Alors lui, quand on parle de hooligan, c'est évidemment bienveillant, c'est de l'humour. Il a un âge respectable et canonique, belle défense, Valérie Pachal. Ça a été touché. Non, ça n'a pas été touché. Ça n'est pas serein. Non, il faut s'imposer plus. Messieurs Picot et Edith, des deux côtés. Hein. Oui, parce que ça manque de présence, d'autorité. Le coup de sifflet que tout le monde entend et que personne discute. Ah, c'était un coup de sifflet timide. Je vous donne la touche, mais je suis pas sûr. Guigou. Avec Gallego, Toby, face à Dipanda. Et deux minutes contre Chimicou. Oui, celle-ci. Et il a fait mine d'y aller avec la main, mais c'est bien le pied gauche. C'est détendu. Hop. Et l'opportunité pour les Nîmois qui vont donc évoluer à 6 contre 5. Le retour de Théodore Paul, ne pas perdre le ballon pour ne pas gâcher une occasion, trouver la solution. Surtout Guigou, il est bien lancé. Toby, le décalage avec Eric Vincent au-dessus. C'est une des ballons qu'il ne faut pas manquer, la situation claire comme ça. C'est alors très jeune garçon, hein, très jeune joueur, Eric Vincent, issu du centre de formation, qu'on a vu absolument remarquable vraiment depuis son utilisation. Et c'est un manque de réussite là-dessus. Et qui prend en strict Sarmiento sur la supériorité numérique des Nîmois. Avec Gaïdouchenko, les Raphaëlois vont devoir trouver des solutions, ce qui n'est déjà pas évident en temps normal. Ils ont fait l'écart hein, de nouveau malgré tout cette série de 4-0 passée au Nîmois. Il y a beaucoup d'espace, la bonne défense de Luc Toby, pourtant hein, sous la menace d'une
disqualification. Oui, c'est bien ce qu'il fait intelligemment. Le temps mort posé par Dan Reich pour Kiné à nous. 14 minutes encore à jouer. Plus 5. Ça va être quand même extrêmement compliqué hein, désormais avec un écart imposant. Nîmes a eu cette belle période, malheureusement qui n'a pas été totalement validée avec ce ballon perdu, et tout est reparti dans l'autre sens. Alors qu'à ce moment-là, l'attaque nîmoise œuvrait pour revenir à un simple but. Et François-Xavier, on va vous donner des résultats. Alors pas de l'équipe de France, on vous a dit on n'en parle pas. Là, si vous avez enregistré le match, victoire de Dunkerque au forceps à l'arraché contre Cesson-Rennes dans les derniers instants. Succès de Toulouse qui a quasiment été en tête pendant toute la rencontre. Voilà, ça ne souffre d'aucune contestation. Mais alors les Aixois qui là se prennent les pieds dans le tapis, c'était une opportunité énorme de recoller à Nantes en cas de succès. Vous savez ce dernier match de l'année civile avant d'avoir une longue trêve en étant toujours, des gens en vacances. Mais alors c'est toujours le piège incroyable, c'est de s'arrêter avant que ce soit fini. C'est peut-être ce qui s'est passé. Alors attention, face à une équipe de Toulouse dont on sait qu'elle est Tempoyer. Capable de jouer. Tempoyer. Allez. Tempoyer. Bravo. Qui sonne la charge, quelle est belle cette image. Merci à nos équipes. Comme un grand, hein. Vraiment, sans trembler, en fin de montée de balle, en passant au-dessus de Dani Sarmiento. Un tir d'arrière, magnifique. Donc, il est vraiment en train de se faire une belle place hein, dans cette équipe de Lussan. Et toujours la prise en strict de Derek Vincent, Arthur Vigneron sur une position d'arrière, qui va tout seul. Ouais, touché au visage, attention. Ouh là 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 là. Attention. Il n'y a pas de sanction. Là, et on rappelle, hein, Luc Toby, la prochaine fois, c'est disqualification. Il est tellement important. Et il le sait sans doute, Franck Maurice. C'est pour bien ça sûr. Qu'il rit de la même couleur le maillot de son joueur et de son gardien. Oh là là là. Écoutez, là, c'est un miracle. Et une nouvelle fois, très mauvaise inspiration des arbitres. Vraiment. Celle-là est bien plus flagrante que la première, rappelez-vous. Hein, où c'était vraiment sur la fin, lorsqu'il s'était tourné. Seulement parce que avec ou sans Luc Toby, ça n'est pas la même histoire. De 7 mètres obtenu par Xavier Barraché dans l'intervalle externe. C'est Tom Poyer qui est en retard, pris par le premier appui. Là, c'est ensuite trop tard avec Michael Bou également un petit peu en zone. C'est compliqué. Et Michael qui l'air de. Non mais il n'y a rien de tout. Alors qu'il était en. Il avait sorti les sardines et la toile de temps. Son réchaud but à gaz. Malheureux, Théodore Paul Sarmiento en force et avec de la réussite. Et le Green Cup derrière le but d'Alexandre Demain qui donne de la voix. Toby. Petit pas d'ajustement, ballon perdu, récupération avec Adrien Dipanda qui lève la tête en relais. Gaïdouchenko s'est à nouveau touché par Théodore Paul, mais pas assez. Et le plus 6 à nouveau en faveur de Saint-Raphaël, sauf qu'il ne reste plus que 12 minutes, François-Xavier. Oui, et ça redonne une dynamique supplémentaire au Raphaëlois, c'est ça, hein, Franck Maurice qui s'est emparé du carton vert pour peut-être son dernier temps mort. Et la dernière infériorité numérique finalement a été plutôt très bien vécue par les Raphaëlois. Qui sont concernés, on le voit, hein, il y a eu un moment de moins bien, notamment en attaque, ballon perdu qui sera rendu. Oui, oui, en termes d'agressivité, mais surtout de positionnement. On a parlé de Timmy Petit, évidemment, son retour ou non, ça a changé pas mal les choses. Oui, dans le soutien, mais la paire qu'il forme avec Adrien Dipanda, c'est surtout ça. Adrien, on insiste une nouvelle fois, hein, qui a été monstrueux aujourd'hui. Très, très beau bloc de Tom Poyer. Mais alors, quel arrêt d'Alexandre Demaille avec Saint-Raphaël qui récupère le ballon. Quelle partasse de celui qui évoluera sans doute au Parnasse. C'est peut-être le... La saison prochaine. Le champ du cygne. Le champ du cygne. Double street.
plus rien à perdre avec Eric Vincent, Julien Robichon sur Gaïdouchenko et Sarmiento, les deux trésors de jeu. Attention, parce que dans le duel, Dreyi Pachal va très vite. Trouver Arthur Vigneron avec un manque très joué, important. C'est très bien joué. C'est propre. Ouais, oui, vraiment, bravo. C'est intelligent de la part de Saint-Raphaël qui n'en a pas trop fait. Qui construit là pour le coup le succès qui est en train de se dessiner au fur et à mesure. Et Saint-Raphaël a respecté le jeu, respecté son adversaire, est arrivé avec de très bonnes dispositions, ne s'est pas du tout intéressé de savoir si c'était un ligne diminué ou pas, est venu là pour faire un bon dernier match de 2021 qui a été une année encore, comment dire, pas mouvementée mais pas toujours très régulière de la part de Saint-Raphaël. Et en respectant le jeu, mais Saint-Raphaël s'est offert malgré deux trois moments un petit peu plus délicats face à Lusa, mais c'est plutôt faire un match maîtrisé jusqu'ici. Bon, il reste beaucoup de temps, mais on a l'impression que Saint-Raphaël a les choses bien en main. Que faire, François-Xavier? Que faire alors que le temps s'écoule inexorablement, que Saint-Raphaël a le match en main? On va insister, hein. Et clairement, le tournant du match, c'est ce ballon à moins 1. Oui, oui, alors on était encore loin du but, mais revenir à moins 1, voire à hauteur, parce que là, on était vraiment dans une très bonne séquence, hein, rappelez-vous. À ce moment-là, Nîmes en défense était bien supérieur à Saint-Raphaël. C'était pas une très longue période, mais ça a duré 4, 5, 6 minutes pendant lesquelles ces minutes, Saint-Raphaël n'a pas trouvé du tout de solution. Tout de suite, il y avait punition de l'autre côté avec des contre-attaques. On a vu Sanad, même de la main droite. Enfin, la dynamique était vraiment nîmoise. Elle a été totalement coupée en deux actions. Cette perte de balle et puis derrière un tir manqué assez rapidement. Saint-Raphaël a été capable de faire un 4-0. Donc Saint-Raphaël à 10 minutes du terme de ce match. Vraiment, c'est extrêmement étonnant. Même si Nîmes récupère le ballon, il va être rendu à Raphaëlois, ce qui ne va pas changer les affaires de M. Picot avec tout ça. On a encensé Mathieu Salou qui a un potentiel, et on va le répéter parce qu'on ne va clairement pas tirer sur l'ambulance et surtout pas sur un jeune joueur qui est en construction et en devenir. Il va devoir, Mathieu Salou, se faire violence, être méchant, être agressif, surtout avoir confiance en lui. Il a un potentiel absolument ahurissant. Il a des qualités hors normes. Il va falloir énormément travailler, énormément. Il va devoir comprendre ce qui est le mieux pour lui. Ce qui est le mieux pour lui et ce qui sera le mieux pour lui sera très bénéfique à son équipe. C'est ça qui est important. C'est un tireur. C'est rare, hein. On ne va pas comparer avec un... C'est bien ce que fait Luc Toby, vraiment, jusqu'au bout. On ne va pas le comparer avec le fameux buteur du foot. Mais avoir un tireur comme ça, même si parfois ça peut énerver ceux qui jouent à côté, parce que un tireur ne s'implique pas toujours dans le jeu, prend des tirs qui sont parfois qualifiés de jeux à risque. On parlait sans le dire, vraiment, c'est Lazarov en fin de partie hier. Bien sûr. Voilà, il en a marqué tellement dans ce genre de situation. Bon, parfois il faut être prêt à accepter l'échec alors que la situation ne se présentait pas à une tentative. Mathieu Salou va devoir apprendre à utiliser ses qualités qu'il a extrêmement grandes, vous le disiez, à juste titre. Les joueurs qui évoluent à côté, notamment le demi-centre, faire en sorte que ce garçon qui est encore jeune soit mis dans les meilleures dispositions. Ça n'a pas été par la force des choses forcément le cas aujourd'hui. Le bras va se lever très vite. Voilà, c'est fait. Oui, avec Jonathan Mapou, nouveau ballon récupéré en deux temps, heureux là-dessus les Raphaëlois. Sarmiento qui va chercher la faute, c'est poussif. Attention, parce que la partie n'est pas tout à fait terminée. Non, et on a vu par le passé des choses bien plus ahurissantes intervenir. Attention, parce que Saint-Raphaël n'a pas mis le couvercle sur la cocotte. Minute. Le ballon encore rendu, il est au contact, le temps n'est pas... Voilà, c'est fait, il est arrêté désormais. On a vu hein, des choses, et au Palais des Sports, Jean-François Krakowski aussi, hein, se passer, sans être capable, je le répète, hein, de tuer la partie. Attention, c'est maintenant que tout se joue, ça c'est certain. Parce qu'il y a 6 buts d'avance, et on joue la 53e minute. Si Saint-Raphaël marque, évidemment vous avez fait le calcul, ça fait plus 7 à 7 minutes. Et là, ça n'est pas tout à fait la même chose. 7 buts en 7 minutes, le fameux. Oh là, la passe est mal donnée. La passe est mal donnée, voilà. Le ballon est mal donné. Avec Toby, Sanad, Toby en relais.
Et encore. Avec Poirier. Oh, ballon gratté, ah, l'interception et l'inspiration d'Arthur Vigneron. Arthur Vigneron, le voilà, le plus 7, quasiment rédhibitoire. Quelle belle inspiration de ces garçons. Écoutez, on s'est attardé la dernière fois dans le match entre Saint-Raphaël justement avec son Provence sur quelqu'un qu'on aime beaucoup, qui possède des statistiques incroyables cette année encore, mais les dernières saisons. Il s'agit de Gaby Loche. Ouais. Arthur Vigneron. On le met dans le même sac. Arthur Vigneron. Oui, oui, et l'un des tout meilleurs défenseurs en ce qui est intelligence de jeu. Vraiment. Ah oui, un vrai QI en balle. Ah oui, totalement. Oui. Je ne peux que... Alors c'est quelqu'un de discret, hein. Ouais. Évidemment, vous n'allez pas le voir prendre des tirs incroyables. N'empêche que, rappelez-vous, lorsqu'il y avait des problèmes sur le poste d'arrière droit, c'est lui qui venait sur le poste d'arrière droit et qui souvent était très très juste. Là, c'est le ballon décisif peut-être, en tout cas, c'est le seul choix qu'il a de bon. Il y avait une supériorité numérique pour les Niçois, c'était le seul choix. Ouais, voilà, merci, regardez, merci, c'est remarquable. Merci. Ouais. Et ensuite, beaucoup de quiétude hein, pour les déposer ce ballon sous et les jambes. Surtout sans vouloir mettre une patate, en étant subtil, intelligent, en étant réfléchi. Oui, on aime beaucoup hein, Arthur Vigneron depuis des années maintenant, depuis son émergence, lorsqu'il était sorti du centre de formation. Eh bien, enfin, hein, et décidément, Mathieu Salou doit aller hors secteur pour trouver des solutions. Bien, pourquoi pas. Coup de l'autre côté, le tir à rebond qui surprend Theodor Paul. Il aura retrouvé un peu de couleur. Un petit peu, ça part encore. On dirait qu'il y a le frein à main dans son bras. Oui, c'est fou parce que. Ils sont doux ces Roumains. Oui. C'est la sortie d'Astérix qui m'a inspiré. Ils sont fous ces Roumains. Oui, je l'avais, hein, c'est bien. Ouais. De match dans une semaine très chargée quand même, c'est ça, parce que si tout va bien, et on espère que tout ira bien, David Kelly va concentrer jusqu'au bout, mais qui sait qu'il n'y aura a priori pas de miracle, en tout cas pas la bonne défense de Jean Mapou qui provoque là, le passage en force. Xavier, oui c'est le ballon pour fermer définitivement, mais il est seul bien sûr. Et tous. Là, le voilà, là le couvercle, le cuisinier en chef, Dani Sarmiento aussi, hein, on va le mettre dans la performance des Raphaëlois. Bien évidemment, on ne va certainement pas masquer le fait, on va le répéter tout simplement parce que c'est quand même assez ahurissant. On l'a dit en début d'antenne, Ahmed Hecham, ligament croisé, Quentin Minel, hernie inguinale, Romain Tézio, fracture de la cheville. Rémi Salou, malade longue durée. Jean-Jacques Aquevillot, désinsertion partielle des adducteurs. O'Brien Miateux, blessé au genou. Henrik Jacobsen, inflammation des adducteurs. Rémi Desbonnets, grippé. Et Benjamin Gallego qui marchait sur une jambe. Lou de Risbourg, enfin, à qui on pense, qui lui aussi a subi une rupture des ligaments croisés. C'est, enfin, sincèrement, si ça n'est pas une malédiction, mais peu importe pour les Raphaëlois, c'était un match à gagner, ils l'ont fait brillamment, ils ont été très sérieux, très appliqués. On peut trouver évidemment des explications, mais la première, c'est que Saint-Raphaël a bien joué. Oui, bien sûr. Mais vraiment, je pense et je répète, ils ont respecté le rendez-vous, ils ont respecté l'adversaire, ils ont respecté le jeu. Et on regardera les classements hein, avec quand même ce résultat surprenant, la défaite à la maison d'Aix. Saint-Raphaël, eh bien, aura réussi sa première partie de championnat. Oui, la défaite de Cessorène également. Oui, bien sûr. Vous allez voir, Saint-Raphaël bien situé dans le championnat. Avec un match en retard hein, oui, pour Saint-Raphaël bien sûr, en plus. Passage en zone, Adrien Dipanda. Non, a priori. Écoutez, il aurait été bon, Adrien, en défense. En attaque, on a beaucoup parlé en première période, mais en défense, il aurait été extrêmement présent. Et les rotations qui vont s'effectuer hein, pour Nîmes, pour ne pas prendre de risques supplémentaires et puis donner du temps de jeu aux gamins, si l'on peut dire. Le garbage time, comme vous le savez, en basket, en NBA. Encore une fois, la bonne défense de Jean Mapou. Après ce match, on va rapidement rendre l'antenne. Il n'y aura pas d'interview, vous le savez. Hein, notre décision de ne pas faire prendre le moindre
risque à nos techniciens et donc pas d'interview. On retrouvera, vous pourrez aller zapper, le match est terminé, restez encore avec nous parce que vous nous aimez bien. Mais sur le match de l'équipe de France, le quart de finale face à la Suède, vous avez vu, hein, on n'a vraiment rien dit. Hein. Vraiment, on a tenu notre bouche et on va le faire jusqu'au bout. Voilà, Adrien Dipanda, Sarmiento, ça a été très très bon. L'une des clés avec, on le voit, du temps donné également à Martial Caïs. Là, on est c'est un habitué hein, de l'équipe première, hein, Martial qui va rejoindre les moins de 21 pour le stage pour le tournoi des 4 nations à Pessac. Avec un joueur qu'on voit moins qui est dans la rotation sur le poste de pivot. Avec Antoine Xavier Armani. Hey, Armani. Ouais, la bonne défense de Simicou après son troisième but inscrit juste avant. Belle séquence du Roumain. Ouais, là c'était audacieux de la part d'Adrien Dipanda pour Armani qui fait l'effort de revenir. Ouais, le coup d'épaule, ça n'est pas nécessaire. Et là, oh, superbe salué par tous ses partenaires. Voilà également une belle histoire pour Pablo Muñoz. Heureux. Ah oui, voilà, un sourire franc pour le gardien raphaëlois. Et ça permet de saluer le centre de formation de Saint-Raphaël qui fait un super boulot avec tout le staff, les éducateurs également dans les catégories jeunes que j'ai eu le plaisir de voir cet été. Voilà, tout ce club hein, qui n'est pas simplement évidemment composé de 16 joueurs sur la feuille de match, évidemment 350 licenciés des plus jeunes du baby hand au loisir, voilà, qui se retrouvent avec grand plaisir, qui n'avaient plus l'occasion de le faire dans cette période de Covid maudite décidément. Et le centre de formation qui fait du bon boulot sur le terrain mais également en dehors du terrain, c'est une nouveauté cette saison, on l'a vécu et c'était plutôt sympa. Rappelez hein, comme un fan bloc un petit peu bien derrière sûr, le but. Ouais, c'était super avec oui. Simon Bigard oui, aussi oui, là on oui, le voit, il est sur le terrain. Ce sont ces garçons qui sont sur le terrain aujourd'hui. Là aussi un jeunesse doré face à face battu par Guéric Vincent, tous ces garçons dont on entendra beaucoup parler, Jonathan Mapou qui est sorti de là, Timmy Petit évidemment, voilà le travail, Arthur Vigneron, on en parlait, c'est comme ça, Drévi Pachal bien évidemment, et des joueurs, regardez Martial Caïs, hein, la deuxième période qu'il avait réalisée face à Paris, à Coubertin, il avait été énorme sur le poste d'arrière. Allez, Bigard peut-être, bien oui, joué, non. Bien joué, non. L'arrêt. Double arrêt. Le deuxième ne sera pas. Oui. Et pareil, là aussi, hein, Louis Guaze, c'est lui qui profite de l'absence de Rémi Desbonnets, à qui on pense, on espère hein, vraiment, Rémi, qui va rejoindre l'équipe de France. On sera très rapidement. Oui, une dizaine de jours avant le stage. Ouais, ça, 6 jours, c'est pas mal. Enfin, c'est les fêtes. Enfin, la victoire, elle fait du bien celle-ci à Saint-Raphaël, le succès 30 à 23 pour les Varois qui retrouvent la lumière et ces images ne trompent pas, c'est une vraie délivrance et un plaisir intense de vivre cette dernière sortie de l'année 2021 qui vient surtout concrétiser un très beau début de parcours dans cette saison 2021-2022 pour Joan Maresco et ses partenaires. Le succès qui renvoie Nîmes en plein doute, mais surtout qui valide une très bonne partie, très sérieuse de la part du SRVHB pour Nîmes. Eh bien, la partie aura été trop compliquée. Les Nîmois, surtout parce que c'est aussi l'une des clés de la rencontre, les Nîmois auront été décimés par les blessures et ça aura été fatal. C'est un petit peu ce qu'on craignait, ce que craignaient les Nîmois avant tout, hein. C'est dans la durée, dans la longueur du match, la complexité à tenir face à une équipe de Saint-Raphaël bien concentrée, ça a été le cas. Il y a eu un moment clé, mais est-ce que même si les Nîmois étaient revenus ne serait-ce qu'à un but ou à hauteur des Raphaëlois, aurait-il eu encore la force d'aller plus loin peut-être avec de la dynamique? On ne le saura jamais parce qu'à ce moment-là, eh bien Saint-Raphaël a su passer un 4-0 au Nîmois supérieur parce que concentré, parce que venu pour gagner le match et être suffisamment sérieux pour le faire. Tout le mérite, on revient aux visiteurs. Bien sûr. Et vous avez bien raison d'insister sur ce phénomène parce que Saint-Raphaël a réussi
clairement réussi sa première partie de saison. Ce n'était pas du tout une évidence parce qu'il y avait un nouveau phénomène, c'est qu'on savait que l'entraîneur allait quitter avant même le début de saison. On savait que Dan Raes, Fortuneanus, ne serait plus l'entraîneur et c'est toujours un cadre assez particulier. Ben, bravo Raphaëlois qui sont très bien situés dans cette Victimo Lista. Voilà, avec cette victoire donc de Saint-Raphaël, et vous allez le constater, alors on vous a donné les autres résultats. Voilà ces vraies images de Saint-Raphaël qui va saluer quelques supporters qui ont fait le déplacement. Ils ne sont pas beaucoup, mais il y en a un toujours fidèle. Je peux vous dire, hein, lui c'est lui. Merci de nous le montrer, Serge Bergui. C'est une personne que j'aime particulièrement parce qu'il était aux obsèques de mon beau-père avec le maillot. Avec le même maillot, cette même passion pour Saint-Raphaël. Lui c'est vraiment c'est l'une des figures emblématiques. Regardez cette joie est très réelle et très révélatrice surtout de ce sentiment. Le groupe vit bien, voilà, c'est la formule un petit peu, mais...